pré-enquête à propos de cet accident. Aucune charge n'est véritablement retenue contre Edward Whymper. Qu'est-ce qu'il devient ? Bah, il devient... c'est le rêve de sa vie qui s'écroule. C'est un tout jeune homme, Whymper. La première fois où il vient dans les Alpes, il a 20 ans, en 1860. Là, il a 25 ans. À partir de 1861, il ne pense qu'au serin. Il fait sa première tentative très vite. Et là, il touche au Graal. Et tout d'un coup, c'est la catastrophe, la tragédie. Il a 25 ans. Et donc, il se retrouve avec le poids de ses quatre morts, dont son guide préféré, son ami Michel Crowe. Et puis des personnages qui comptent, puisque le référent Hudson était quelqu'un de très respecté en Angleterre, Lord Douglas, un noble apparenté à la famille royale. Un scandale, quoi, un scandale. Et alors, il va vivre très vieux, Whymper, puisqu'il meurt en 1911 à Chamonix. Donc il va avoir le temps de remâcher tout ça. Et il va vieillir, et en vieillissant, un peu seul, il aura une tentative de mariage qui ne va pas très bien tourner, son caractère ne va pas s'arranger. Déjà, vu ce qu'il avait fait en tant qu'alpiniste, c'est quand même un des inventeurs de l'alpinisme moderne, c'était un grand caractère. Mais donc il va digérer petit à petit, et il va retourner en montagne. En particulier, il va retrouver son rival Jean-Antoine Carrel et ils vont partir ensemble en Équateur. Et en Équateur, ils vont faire une dizaine de premières, dont la première du Chimborazo. Ouais. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un refuge Whymper dans les Andes d'Équateur. Ouais. Et donc, ils sont restés amis, malgré tout. Carrel, lui, on n'a jamais voulu de lui avoir soufflé la première ? Sans doute si. Et surtout, en plus, la façon dont Whymper et Crowe ont montré leur victoire à Carrel qui était dessous. Non, comme ils avaient peur que les autres ne les remarquent pas, et peut-être mettent en doute leur ascension, bien qu'ils aient fait un cairn, etc., ils vont leur balancer des pierres. Ah, carrément. Pour que ça fasse du bruit. Et puis donc, Crowe, il a sa chemise bleue. Et puis, ah, il crie. Il avait même une hampe avec le piolet. Il avait attaché sa chemise par les manches. Et puis, il leur balance des pierres comme ça pour que les Italiens voient qu'ils sont au sommet. Donc, j'imagine que pour Carrel et ses compagnons, ça a été une mortification. Mais les deux s'estimaient. Whymper a toujours dit que Carrel était le plus formidable grimpeur de rochers qu'il ait jamais connu. Et il avait identifié que c'était un des seuls guides locaux qui y tenait vraiment, mais qui y tenait pour lui. Viscéralement. Voilà. Pas pour l'argent, pas pour emmener un client. Il voulait, lui, gravir la Becca. Donc il y avait une grosse estime entre les deux, et Carrel, il avait repéré que le jeune Whymper, c'était pas un rigolo, il était très connu en 65. C'était le même.